très bien, merci. Et toi, ma chérie? Moi aussi. J'ai passé une excellente journée à l'école. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Rien d'intéressant. Nous avons fait les courses. Oui, Elise a acheté les ingrédients pour ton plat préféré, lasagne. Elle a préparé cette pour toi. Mais ce n'est pas important. Qu'est-ce qui m'a intéressé et qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? J'ai reçu les résultats de mon test physique. Et qu'est-ce que tu as eu? 5 sur 20. Pardon? C'était trop difficile et je n'avais pas de chance. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas révisé. Va à ta chambre et étudie bien. Tu me comprends? Oui, c'est clair. La papa n'y a peu trop. Non, elle doit connaître la discipline. Oh, il fait froid. Antoinette! Oh, Amélie, ça va? Pas mal. Écoute, tu veux aller à la plage? Oh, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre si mon père me le permettra. Ah, tu lui as dit pour le test et maintenant tu n'oses pas de lui demander? Oui, c'est ça. Mais c'est vendredi aujourd'hui. Ton père te permettra d'y aller. Il y aura peut-être François. Oh, je voudrais tellement le voir. Je dois discuter avec mon père. Antoinette, à la table! Tu es folle, toi? Elle doit réviser aujourd'hui et demain, elle peut aller à la plage. Mais papa... Non, il n'en est pas question. Tu es 5 sur 20. Ne sois pas si sévère. Oh, bon, d'accord. Va à la plage si tu veux. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. On se voit à la plage, dans une demi-heure. Et c'est pourquoi l'hôtel a des fréâtres interdits au Tahiti. Ah bon, j'ai compris maintenant. Antoinette, voilà François. Ah, comme il est beau. N'exagère pas, je sais que tu es amoureuse de lui. Salut les filles, ça va? Ça va bien! Vous pressez à la plage? Oui! Je pouvais me réjouir à vous? Bien sûr! Allez, je vous offre un verre au bar. Pourquoi? Ah! Tu es trop sévère avec elle. Non, je ne le pense pas. Mais c'est beau qu'elle a beaucoup de copains ici à la Martinique. Oui, ce n'était pas facile de quitter tous ses amis à Perpignan. Mais heureusement, son ex restait là. Oui, Victor, comme je pense, l'a laissé attendre 3 heures sous la pluie. Oh, je me suis énervée ces jours-là. Je déteste les regardantes autour d'elle. Elle est peut-être allée à la plage, un garçon, et il y a des cyclones ici. Et puis après, elle est jeune et amoureuse. Et il s'est mais il est Marion sur le sable blanche et est porté de l'Europe. Magnifique. J'ai toujours voulu avoir un gentil. Ne blague pas avec sang. Ça peut détruire notre famille. Je vais à la place. Mais il fait chaud. Ne le fais pas, s'il te plaît. Non, non, je m'en vais. Ok, excusez-moi, José. Oh, il est mignon. Il est sportif, hein, c'est sûr. Je veux vraiment bien choisir. Oui, c'est un futur petit ami, c'est sûr.
Le voilà. Oh, je suis retournée. Super. Je m'en vais. Ma mère veut que j'aille en Cologne avec elle. Antoinette, on fait un promenade. Pourquoi pas? Non, mais laisse pas seule. N'aie pas peur, je te le dis. Et alors? On s'est dit adieu. Tu devrais pas être ici avec Antoinette? Oui. Oui, ma fille! Je n'ose pas vous dire. Dis-le-moi, j'ai peur de savoir. Elle se promet avec son petit ami François. Où? Ils sont allés de longue, de la rive jusqu'à l'Aragon. Merci. C'est très intéressant, ces volcans. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais s'il y avait une éruption? Je te protégerai, ma chérie. Oh, François. Je t'aime. Je t'aime aussi. Arrêtez! Papa! Monsieur... Richard. Richard. Ça, c'est ce fait maintenant. On va à la maison. Non. On va à la maison. Non. On non. va non. à la maison. On non. va à la maison. Non. Antoinette! Maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre fille a un nouvel amoureux et je suis tombée dans la mer. Oh, ma chérie, félicitations! Antoinette! Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime, François. Je t'aime encore plus. J'aimerais qu'on reste toujours ensemble. Pourquoi? Pourquoi tu fais mal à ma fille? Je n'ai rien fait. J'en ai marre de toi. Tu fais toujours mal à ma petite. Moi aussi. Venez ici, tous les deux. Allô? Alors? Excuse-moi, Marie. Il exagère toujours avec les copains dans sa lettre. Mais toi, tu es bien. Merci, madame. Ça veut dire qu'on peut rester ensemble? Exactement. Oh, je suis d'accord avec ta mère. Merci, papa. Je t'aime, Amélie. Amélie? Je suis Antoinette. Oh. Ah. Ah. Yeah!